Mon nom est Louis Bruens. Je suis expert conseil et auteur de 15 livres d'art. Depuis 50 ans dans le métier, je suis aussi président de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. J'ai une anecdote à vous conter. Il y a plus de 20 ans de cela, l'artiste peintre Charles Carson me présentait quelques-uns de ses nouveaux tableaux afin d'avoir mon opinion. J'ai vu, cette fois-là, d'excellents tableaux, d'une nouvelle facture, d'une écriture personnelle vraiment digne d'attention. Par la suite, j'ai observé avec grand plaisir plusieurs importantes œuvres de l'artiste. En fait, je lui ai dit qu'il était prêt, qu'il pouvait se lancer dans le marché de l'art. Et j'ai d'ailleurs écrit, en 90, une analyse exhaustive de son travail pictural. Son parcours, depuis cette époque, est tout simplement ahurissant. Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Europe, les spécialistes, historiens d'art, experts, analystes et galeristes s'accordent tous, partout où ils passent, à le mettre à l'honneur. À la même époque, Guy Robert, le fondateur du Musée d'art contemporain de Montréal, et Jacques de Roussan, historien et écrivain d'art, tous deux décédés aujourd'hui, ont appuyé mon opinion. Nous étions en face d'un artiste d'un rare talent. Aujourd'hui, je constate que toutes mes prévisions se sont avérées parfaitement exactes. Son genre de peinture, ce mouvement, devrais-je dire, cette façon de faire a fait école. C'est une peinture lumineuse, une peinture d'une grande sonorité, une peinture remarquable qui nous éclaire. Charles Carson est reconnu à l'échelle internationale, surtout pour sa créativité. Il a remporté plusieurs titres et honneurs à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, où il a été reconnu par ses pairs, et il porte aujourd'hui le titre de maître en beaux-arts. La colonie artistique en art visuel du Québec est très riche, et plusieurs artistes se distinguent particulièrement. Il y en a qui vont au-delà, qui vont plus loin, et Charles Carson est un de ceux-là. En conclusion, la raison du succès de Charles Carson est la qualité de son art.